Le 2 avril, Sandrine, nous voulons te souhaiter bonne fête. Comment allez-vous aujourd'hui? On est le 2 avril et le 2 avril, c'est ma fête. Oui, c'est la Saint-Sandrine. En fait, je me rappelais même plus. C'est dans les commentaires qu'on me l'a dit que c'était ma fête aujourd'hui. Ben, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Moi, j'ai vraiment, vraiment plus pensé du tout, du tout. Je suis dans ma salle de bain parce que je vais me préparer. Il est 14h. Je vais finir tout le ménage. Ce matin, je me suis réveillée très très tard, j'ai fait une grasse matinée. En fait, je me suis réveillée à 8h et quand j'ai vu 8h, je me suis dit « Oh non, je reste encore un peu, j'avais pas grand chose à faire. » Du coup, je me rendors un peu, je me suis dit « Je vais avoir du mal. » Parce qu'une fois que j'ai les yeux ouverts, c'est terminé. Et ben pas du tout, je me suis rendormie et je me suis réveillée à 11h. Bon. C'est toute la semaine que j'ai rattrapé, que je me suis réveillée tôt et que j'ai pas dormi beaucoup. Donc ça m'a fait vraiment du bien. On a déjeuné, voilà. J'ai préparé le petit déjeuner à Eric, à moi. J'ai pas pris grand chose moi parce que je fais attention, j'ai pris du poids un petit peu. Hier j'ai bu beaucoup. Donc là aujourd'hui je vais faire un petit chouïa attention. Et demain, je mangerai pas à la séance parce qu'il faudra que je compte 1 kg en plus. Et ça sera pas possible. Donc je vais m'arranger comme ça. J'ai fait un gâteau à l'ananas. C'est un gâteau renversé à l'ananas. Parce que je reçois cet après-midi. J'ai ma nièce qui vient. On va se regarder un petit peu les photos et vidéos de la frappadague. Voilà, tous ensemble. J'ai dit à Amélie de venir. Mais Amélie, elle est malade. Elle a mal à la gorge, elle a rhume. Il m'a l'air que tout le monde l'a chopé. Donc elle a rendez-vous chez le médecin demain. Donc, elle ne viendra pas aujourd'hui. Donc, je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, si elle voulait que je lui fasse un goûter ou même son repas du soir. Elle m'a dit, non, ça va maman, j'ai tout préparé. Elle a fait des bouches à la reine. Je lui ai dit, ça tombe bien parce que moi aussi, j'en fais ce soir. J'ai 2 poules et du coup, je vais faire un petit bouillon et je vais préparer ça. Bouche à la reine et du vol au vent avec du riz. Et puis, là, j'ai tout fini. Donc je vais me préparer, je vais prendre ma douche, faire mes cheveux, enfin parce que je suis obligée de les relaver à petit chouïa, hein, très léger parce que comme je les ai fait hier, mais moi tous les matins je suis obligée pour me coiffer en fait. Sinon c'est une catastrophe. Et puis voilà, Julie elle m'avait mis une petite chanson ce matin, je la mets, je vous l'ai mis là au début de la vidéo. Elle m'a fait rigoler parce que en fait je lui dis Julie, je dis t'as rien oublié aujourd'hui. Du coup elle va à la télé, elle dit attends, attends, et elle m'a mis la musique. Ça m'a fait trop rigoler. Donc voilà, bon allez, là la machine elle est en train de tourner, j'ai du linge à laver, j'ai déjà pendu une machine, là c'est une plaid que je suis en train de laver, c'est la plaid à macho. Et puis après, il me restera du linge, en fait. Voilà, du linge de notre semaine. Voilà, bon allez, je vais me préparer, je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je suis prête, il me reste mes cheveux à faire, je sais pas si je vais les laisser sécher au naturel
ou si je vais le faire ou sèche-cheveux. Je sais pas, j'ai fait un petit maquillage du bleu. Je vais faire un petit truc comme ça. Là, j'ai ouvert la fenêtre parce que j'ai trop chaud, trop chaud. La machine, elle est en train d'essorer. Ouh, je sais pas comment je vais faire. C'est pas évident quand on a les cheveux courts. Désolée hein, pour le bruit de la machine. Ouais, ça ira comme ça. Je vais laisser sécher comme ça en fait. Voilà, au naturel. Bon voilà, bah, je suis prête. J'ai mis un jean. Je vais vous faire montrer. J'ai mis une petite chemise bleue comme ça. Avec un petit jean. Voilà, toujours les petits chaussons. Hein. Un petit jean. Voilà, tout simple. Hein. Pas de chichi. On est dimanche. Je m'écouterai, j'aurais mis mon ensemble de détente. Mais bon, on va avoir du monde, donc il faut quand même être présentable. Hein. Bon, quoique la tenue détente, c'est propre aussi. Hein. C'est, ça fait un petit survêtement, un petit jogging. Voilà. Après, j'irai chez mon épicier turc. J'ai quelques bricoles à acheter. Et puis. Demain, on va aller faire quelques courses en Belgique. Donc, on va partir au matin, parce que comme après, moi, j'ai la séance, ça va aller super vite. Demain matin, on va aller faire quelques courses en Belgique. Parce qu'on achète les croquettes des chiens, enfin des chiens, oui, des chiens, là-bas. Voilà, allez, c'est parfait. Maintenant, on attend la petite nièce qui arrive. On va boire un petit café avec un petit gâteau. Le gâteau renversé à l'ananas avec un petit peu de chantilly. À part pour ma part parce que j'aime pas. Mais j'ai de la chantilly pas maison. Hein. J'ai pas eu le temps de la faire. Allez, go. Recoucou. Voilà, ben je vous prends maintenant. Il est assez tard. Il est 9h30, 21h30. Je suis dans la salle de bain encore une fois parce que je vais mettre mon pyjama et puis je vais me démaquiller et puis voilà. Franchement le dimanche a passé super vite en fait, comme on a reçu le dimanche après-midi, on l'a pas vu en fait hein. Là on a fini de manger il y a pas très longtemps. Et j'ai fait du riz avec du vol au vent et des bouchées à la reine. J'en avais trop envie, du coup j'ai fait ça. Là je vais nettoyer mon visage. Enfin, je vais me démaquiller et je vais nettoyer mon visage. Donc le démaquillant, bon, tout ça, oh lolo. Le démaquillant waterproof de chez Cora, enfin c'est match. Voilà. Donc ça, la petite, voilà, cagette démaquillante, je mélange un petit coup. Donc j'ai bien mangé, et puis là j'ai soif, mais il faut que je fais gaffe, je suis encore demain. Bon ça va, demain ça va passer super vite, parce que je vais être vraiment occupée demain. Demain matin je me réveille de bonne heure, je prendrai mon petit café comme d'habitude. Mon petit expresso. Bon, après, c'est pas avec ça que je vais prendre du poids. Et ensuite, je ramène. On ramène Amélie chez le médecin. Parce qu'elle est vraiment malade et elle a rendez-vous à 9h demain. Et ensuite, on s'en va faire les courses en Belgique. Donc, j'aurai. Enfin, je penserai pas à manger ni à boire. Donc, ça va passer assez vite pour moi. J'en ai pas mis assez. Du coup, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus là, dehors il fait super froid. Donc on a augmenté un petit peu plus le chauffage
à la maison. Qui dit chauffage, dit la gorge sèche. Donc j'ai soif. Mais bon, tant pis. Hein. Je vais pas mourir de soif non plus. Hein. Mais il faut que je bois que de l'eau. Comme ça, si dans la nuit je peux suer un petit peu, je perdrai un petit peu plus d'eau. Là, je vais boire un Schweppes. Il m'en restait deux dans mon camping-car. Et comme j'avais trop envie de boire du gazeux, en fait, c'est juste prévoir les bulles dans la bouche. Pas spécialement du sucré, mais des bulles. Donc, j'en ai bu un entier. Et ensuite, j'ai bu un verre d'eau avec de la grenadine pour prendre les médicaments. Et là, j'ai encore soif. Et bon, je vais boire un petit peu. Et... En fait, je vais me préparer un grand verre. Et ça sera pour toute ma soirée. Et là, on va manger en dessert une mangue. Je l'ai mis un peu au frigo. Comme ça, elle va être un petit peu fraîche. Et on va manger ça. Et après, je mange plus rien. Hier soir, il était assez tard. J'avais mangé un morceau de baguette avec un morceau de fromage. J'ai eu des brûlants en estomac. Oh, j'ai eu du mal à m'endormir. C'était compliqué hier. Très compliqué. Du coup, j'ai dit c'est terminé. Je ne mange plus très tard comme ça. Parce que c'était vraiment très très chiant. Bon, j'ai pris une petite douche. J'ai pas lavé mes cheveux parce que je les ai lavés ce matin. Et puis là, ça va. Donc, j'ai pris ma douche. Et puis là, je fais mon visage. J'espère que Amélie, elle aura un arrêt de travail demain par le médecin. Parce que franchement, elle est vraiment pas bien du tout. Elle a super mal à la gorge, elle a un rhume, elle faisait un peu de fièvre. Donc elle a acheté des petites choses à la pharmacie pour dépanner tout le week-end. Parce que sinon, c'est compliqué. Je prends mon gant de toilette. Ouais. Mais j'ai le coucou plat là, j'ai trop bien mangé. Et là, j'ai envie d'un bouillon. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Le vlog, il n'aurait pas été encore productif hein, aujourd'hui. Mais le week-end, c'est compliqué hein, parce que bah, il n'y a pas grand-chose. Et puis, le peu de choses qu'on fait, c'est en famille. Ou on va dans la famille. Donc ça, je ne peux pas filmer. Hein. C'est un peu privé, quoi. Après, j'espère que vous comprendrez. Alors, cette mousse-là, je l'adore. Elle est trop bien. Ça, je vous la recommande. Hein, parce que franchement, après, vous avez une peau de bébé. Un truc de fou. Attention, mes petits nœuds. Faut pas que je mette de la mousse dans mes nœuds. Parce que sinon, ça va me piquer. Et après que j'aurai mangé le dessert, je brosserai les dents. Et en parlant de dents, il faudra que j'achète du dentifrice. Vous avez un gros plan là. Parce que il me reste que ça. Il ne me reste plus beaucoup. C'est tout ce qui me reste. Donc, eh ben, on va acheter du dentifrice demain. Ça fait trop du bien cette crème là. C'est celle-ci. Hein. C'est à la noix de coco. C'est de l'eau de coco en fait. Chez Action, elle est trop bien. Elle est à 99, je crois. Je sais plus à combien elle est. Et moi, je l'adore. Je l'aime trop.
trop du bien. Voilà, du coup, j'ai rangé toute la maison. Parce que c'est pour ça que j'ai pas mis mon pull de pyjama. J'ai mis un t-shirt. J'ai que le pantalon, là. Mais... parce que comme demain matin, on n'est pas là. On part chez le médecin. Et puis après les courses. Comme ça, je suis tranquille. Ma maison, elle est propre. Ah, oh, ça fait trop du bien. Trop, trop du bien. Voilà, on va faire sécher le gant de toilette. Ça. Oh, ma petite lingette. Je tapote tout le temps mon visage. Tout le temps. Je suis jamais... Ah. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Hop. Je range. J'en achète souvent ça. Enfin, j'en avais acheté et j'avais des stocks en fait. C'est pour ça que dans mes Olaxo, j'en faisais pas montrer. Parce que ben, j'en avais acheté pas mal. Voilà. J'ai plus qu'à mettre mon petit parfum. Alors, comme hier, je vais mettre celui-là. Ah, il faut que je mette la crème avant. Ah oui, je mets toujours la crème avant. Alors pareil, comme hier, la même, à la pastèque. J'avais acheté celle à l'avocat aussi, hein. Mais j'attends de finir celle-ci pour entamer l'autre. Je vais quand même pas tout entamer parce qu'après, j'en ai déjà entamé assez des crèmes de jour. Il faut que, en course, il faut que j'achète du lait, enfin des boissons, on va dire des boissons, du lait, les croquettes pour les chiens, avec leurs friandises. Il faut que j'achète des légumes. Donc on va aller en Belgique chez Lidl, chez Aldi pour les paquets de chips. Que je prends comme d'habitude quand je pars en Belgique. Et puis, du sucre, de la farine, du sucre en poudre, enfin du sucre en morceaux et en poudre, de la farine. Bon, puis après, je verrai sur place en fait. Quelques conserves pour dépanner le midi, tout ça. Bon, ben voilà. C'est parfait. Allez, le parfum. Voilà. Le déodorant. Et ça sera tout. Donc, ben, c'est pas encore un vlog qui va durer... beaucoup, hein, mais bon, c'est mieux que rien. Donc, je vais vous faire montrer, enfin, je vous ai fait montrer le petit déjeuner et puis le gâteau de cet après-midi. Ah oui, le gâteau, il était bon, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé un peu trop mouillé et mon caramel n'était pas top. Je trouve que c'est... eux, ils ont tous aimé, hein. Mais moi, personnellement, je trouve que je ne l'ai pas trop réussi. Vous me direz ce que vous en pensez de mon gâteau. Mais sinon, ça a été, il était bon quand même. Et puis après, bah, le repas du soir, que je vous ai pris en photo également. Bon, bah, je vais vous laisser là. Je vais aller rejoindre les autres. Et puis, je vais aller boire un verre d'eau. Parce que j'ai soif. En plus, comme je parle, j'ai encore plus soif. Allez, je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous fais de gros gros bisous. À demain. Ciao.